Bonjour et bienvenue pour cette vidéo du quatrième et dernier WOD de la Issei Classic Winter Edition 2018. Ce sera un 21-15-9 avec des chest to bar synchro pour les équipes RX et des pull-up synchro pour les équipes Scare. Vous aurez ensuite des synchro one arm kettlebell overhead squat à 24 kg pour les hommes et 16 kg pour les femmes RX et 16 kg pour les hommes, 12 kg pour les femmes Scare. Le time cap pour ce WOD est de 10 minutes. Les chest to bar ou pull-up doivent être synchro en haut du mouvement. Les overhead squats synchro doivent être synchro également en haut du mouvement. Le choix du bras pour les one arm kettlebell overhead squat est laissé au choix de l'équipe. Vous pouvez choisir soit le bras droit, soit le bras gauche. Puis les deux partenaires ne sont pas obligés d'avoir le kettlebell sur le même bras. Au niveau des standards des mouvements, pour les pull-up, le mouvement débute bras tendu et se termine une fois que le menton dépasse la barre. Pour les chest to bar pull-up, le mouvement débute bras tendu et se termine lorsque la poitrine touche la barre entre le sternum et les clavicules. Si jamais cela touche au-dessus des clavicules, c'est un no rep. Et comme je disais, le synchro doit se faire au moment où le menton dépasse la barre ou au moment où la barre vient toucher la poitrine. Vous pouvez utiliser la technique du keeping ou la technique du butterfly comme vous le souhaitez. Pour les one arm kettlebell overhead squat, le mouvement commence. Kettlebell au-dessus de la tête, aligné avec le corps, bras verrouillés, hanches et genoux en pleine extension. L'athlète doit descendre, creux des hanches sous les genoux, bras verrouillés avant de remonter. Jambes tendues, hanches en pleine extension, bras verrouillés. Le synchronisme se fait une fois que les deux athlètes sont en haut en même temps. Il est interdit de plier le bras pendant toute la durée de la répétition, auquel cas ce sera un no rep. Time cap donc de 10 minutes, c'était la vidéo du WOD 4 pour la Issei Classic Winter Edition.